Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon. Voilà un bon vin que je vois ici. Pardon, bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Et effectivement, c'est un bon vin, je confirme. Ah, le château Haut-Saint-Martin. Donc, Haut-Saint-Martin, c'est un millésime exceptionnel, 2009. Ah, voilà. Et c'est une appellation que j'aime beaucoup, puisque c'est peut-être là qu'on va trouver les meilleurs rapports qualité-prix à Bordeaux actuellement, les Bordeaux supérieurs. Donc, avec des vins triés, des petits rendements, 12 mois de fût. Donc, voilà. Fait comme un grand cru. On va passer une belle dégustation. Voilà. Donc c'est une... Château Saint-Martin, connu, pas connu. Ah bah c'est un hommage que je te rends, Saint-Martin. Ça, c'est évidemment. Vraiment sympa. Voilà. Ouais, j'aime bien quand vous faites des petits hommages comme ça. Voilà. Mais bon, voilà, un vin absolument excellent, dominé par le cépage Merlot, un petit peu de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon derrière. Classique Bordeaux. Classique Bordeaux. Parfait. À l'œil. Donc, belle extraction. Ouais, voilà, une belle extraction de couleurs avec un début d'évolution sur le côté, une note rubis. On va vers le grenat. C'est une couleur brillante, chatoyante, bariolée. Très, très belle couleur. Déjà, une notion un petit peu veloutée dans la couleur. Mais là, c'est compliqué. On va tout de suite passer au nez. Hein. Ça, c'est bon. Hein. Ouais, déjà, on sent le côté racé, des fruits très, très mûrs, des notes un petit peu chocolatées, poivrées, réglissées, florales. Donc, on est déjà dans la complexité. Donc, parfait. Magnifique millésime, c'est tout à fait logique. Ce bon 2009. C'est classe. Ça coule, c'est soyeux, c'est gourmand. On a un fruit très, très mûr, l'acidité bien fondue dans la matière, des tanins soyeux, fondu. Vraiment très fondu, très fin, et une très belle longueur. Ouais, ça, c'est facile à boire comme tout, ça, je trouve. Hein. À mon avis, ça devrait faire un carton. Ouais, c'est vraiment très, ça très se bon. Ça pourrait. Vin complexe et tout à fait accessible dès aujourd'hui. Trop bien. Donc, on peut le passer en carafe une demi-heure avant. On n'a pas besoin de le faire trop longtemps en avance. D'accord. Une demi-heure avant. Le servir à 16-18 degrés. Je n'aime pas qu'on dépasse les 18 degrés. Pas trop frais. Donc, si c'est dans l'appartement, ben, vous le mettez 10 minutes, un quart d'heure dans le frigo juste avant de passer à table et ça suffira. Et on va le déguster avec quoi ? Tout est possible, belle viande rouge, viande blanche, des viandes un peu saignantes, des jus, des rôtis, voire des petits gibiers aussi, faisan, perdreau, etc. Vraiment, c'est un vin qui devrait convenir à toutes les cuisines, y compris des poissons, parce qu'il y a une finesse, une légèreté. Ouais. Un poisson cuit avec une sauce au vin rouge, ça serait merveilleux aussi. Magnifique. Merci Jean-Michel pour ce beau château. Très belle bouteille, et là, je pense que vous allez adorer. Ah, trop bien. Merci pour cette belle découverte et bonne dégustation à vous tous. Voilà, château Haut-Saint-Martin 2009, Bordeaux supérieur.